En ce moment. Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Stoffel Van Doorn part en tête et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Vettel, Kimi Raikkonen et Ricciardo, Verstappen, Alonso, Hülkenberg et Romain Grosjean, Perez, Ocon, Felipe Massa et Sainz, Kvyat, Palmer, Kevin Magnussen et Lance Stroll, Ericsson et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente, nous allons donc nous rendre vers la piste. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux.
voiture de derrière est de 2,1 secondes.
voiture derrière nous est de 2,8 secondes.
5 secondes autour, tu tombes trop lentement. Il shoot des pneus super tendres usés. Le dernier tour à donner. 1:48,0. Sur la voiture de derrière est de 2,2 secondes.
avance. Hamilton derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,1 seconde. Il chauffe des pneus super tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand est ouverte, fenêtre ouverte. Plus que 5 tours avant l'arrivée. Thank you.
victoire d'anthologie pour McLaren. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Un bon résultat pour Stoffel Vandoorne qui creuse. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Sans doute Daniil Kvyat. Il faut admettre que le jeune russe a été à la hauteur de sa réputation. Même si les jeux sont faits, jetons un œil au classement constructeur. Le leader du tournoi a chuté dans le classement après une grosse baisse de régime. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.